J'ai 30 minutes pour faire un maximum de mécanique, c'est parti. Donc je suis en entraînement libre, on va commencer ici, donc je vais commencer par les flics. Je vais aller chercher la balle et je vais pas me la donner, à part peut-être pour quelques setups. Donc là on va commencer tout simplement par un 45 degrés. Et il est passé, bah en 30, on valide le premier. Ok, je vais tout simplement faire un front flip pour celui-là. On prend tous les points qu'on peut. Une mécanique, c'est aussi simple que compliqué. Ça dépend juste des mécaniques. Je vais essayer un 90 là. Bon, c'était pas vraiment un 90. C'était un peu plus. Mais pas un 6 pieds. Moi, je valide en tout cas. Est-ce que cette flic qui compte? Je vais essayer d'en faire un. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense que oui. Ça reste un flic malgré tout. Même si il est vrai qu'il est pas très compliqué à faire. Bon, maintenant qu'on a fait quelques flics simples, on va essayer d'aller chercher des flics un peu plus compliqués. On va tenter un petit musty. Voilà, il est rentré directement barre en 30, c'est incroyable. Je pensais qu'il allait aller tout dessus. Bon, bien sûr, il est pas exceptionnel, hein. Je le fais en allant tout droit, tout ça. Mais le but, c'est que ça rentre et faire un maximum de points, c'est parce que le reste, ça va être un peu plus compliqué. Maintenant qu'on a fait le musty, il nous reste aussi le brazy. Le brazy va être un peu plus compliqué, puisqu'il nous faudra peut-être un peu plus d'espace. Je verrai si j'y arriverai. Parce que là, c'est mal parti. Oh, il est pas beau, hein. Franchement, il est pas beau. Voilà, là oui. Bon, je fais un peu à ma façon. Mais là oui. Hop, on a bien le truc. Et il part bien à droite en plus. Let's go. Il y a sûrement d'autres flics que je rate, genre le tornado ou quoi. Mais je crois que je sais pas le faire, en fait. J'ai jamais vraiment appris à le faire. Genre un truc comme ça que tu pars en arrière, non, je sais pas faire. Je pense qu'on va essayer de partir sur des mécaniques plutôt aériennes ce coup-ci. Donc on va partir à gauche. On va faire le classique flip reset. Un simple. Hein. On va faire un simple flip reset. Ok. Premier essai, raté. Ok, j'ai eu le flip reset. Et j'ai pu tirer. Let's go. On valide celui-là. Après le flip reset, on peut faire une double tap. Double tap, saute. On dash une fois. Et on va essayer de chercher le rebond. Let's go. La double tap qui est validée. Maintenant, je pense essayer un ceiling shot. Est-ce que j'ai le droit de la retoucher un peu en air dribble? Pourquoi je vais pas le faire? Je vais pas faire de air dribble avant. Donc là, le but, ça va être juste de tirer. Bam. Voilà. Là, c'est un vrai ceiling shot où il n'y a rien d'autre avec. Il nous manque plus que le air dribble et je pense qu'on a fait les mécaniques intermédiaires. Petit air dribble, je sais pas si combien de touches c'est très important. Mais bon, j'ai fait l'air dribble le plus simple hein, du jeu. Je suis parti du milieu de terrain donc c'est peut-être déjà un peu proche. Mais c'est un air dribble. Ah oui, j'ai oublié. On a aussi des pinches. Je vais essayer d'en faire quelques-unes. Je me permets de setup les ballons d'un peu plus loin pour les pinches. Est-ce qu'on peut valider une pinch au sol comme ça? Ça reste une pinch, elle est pas très rapide. Cette fois-ci, je vais faire un grand tour dribble, donc je vais partir d'un peu plus loin. Je vais juste poser la balle devant moi, aller au-dessus. Bon, je la rentre en double tap, mais je la considère seulement comme un grand tour dribble. Hein. On est d'accord sur ça. Est-ce qu'on peut la valider justement quand il y a un truc en plus? Oui, on peut, mais ça compte seulement comme un grand tour dribble. Si on prend les principes même et les règles du horse, je valide seulement ce que j'ai annoncé en fait. Bon, maintenant je vais essayer le grand pinch. Bon, je vous assure rien. C'est vraiment un truc que j'ai jamais vraiment fait. On va voir ce que ça donne. Le premier essai est vraiment miteux. Va falloir que j'apprenne à bien le setup aussi. Bon, il doit pas être très rapide. Hein. S'il est pas rapide, je le considère pas trop. Non, 90 c'est pas assez rapide. Je crois que j'ai compris un peu le setup. Juste que je prenne un peu plus mon temps. Voilà. Ouh, là il y a un truc là. Pas exceptionnel, mais 153 quand même. Eh, franchement, il est bien parti. Hein. Là, je suis trop content. On va donc maintenant tenter le double reset. On parle de double reset, faut que j'ai les deux et que je touche après le deuxième. Hein. Ok. Ok. Valide, let's go. Ça m'a pris beaucoup moins de temps que prévu. Il est pas exceptionnel, mais franchement, c'est un double reset. J'ai pris un peu mon temps sur la deuxième touche. C'est exactement ce que je voulais. On va maintenant essayer de faire un ceiling reset. Donc on prend le ceiling et le but c'est d'aller chercher le reset comme ça.
Dommage, dommage en vrai. Et bien sûr, après la Z, faut retoucher avec un. Évidemment. One eternity later. Bon les gars, dernier essai. Après, je vais changer, je pense, parce que j'ai vraiment du mal avec celle-là. Ok. Oh. Oh oui. Bah voilà. Bah voilà. Bah voilà en fait. Par contre, j'ai pas cherché compliqué, mais franchement, c'est exactement ce que je voulais faire. Elle est vachement propre. Et cette fois-ci, on va faire un musty double tap. Bien sûr, on part du mur ou du ceiling. Et les deux, ça marche. Hein. Je vais juste essayer de faire un musty double tap. Je vais plutôt aller chercher le ceiling, je pense. Ça sera plus simple pour moi. Hop. On prend le musty et on va chercher la double tap. Ouais, dommage. Donc là, on est bien haut. Ok. Je vais pas. Voilà. Let's go. Trop content, j'arrive à faire des trucs, je m'y attendais vraiment pas. Je me suis dit une demi-heure et je vais tout foirer, ça va être trop long, je vais en réussir de trop. Je comprends pas pourquoi j'y arrive, c'est dingue. On est d'accord que c'est pas un niveau d'un freestyler, mais d'habitude j'ai vraiment aucune mécanique. Et là, le fait de réussir à en rentrer, vraiment trop content. Est-ce que ça serait pas le moment de tenter le triple reset? Je pense que c'est le moment de tenter le triple reset. Ok, premier essai et directement, si j'y arrive ou pas, vous aurez le clip. Et de deux, et j'aurai pas le troisième, dommage. Je l'ai pas retouché après. Je l'ai pas retouché après. Il y a le. Je récupère 3 AZ, hein. Ça. Mais j'ai pas le. Je touche pas après. Oh, je peux pas la valider. J'en refais quelques-unes et vous me direz si je peux la valider ou pas. Bon, le temps était écoulé, je pourrais pas faire mieux du coup. Je suis assez content de mes perfs, en vrai j'ai réussi à faire pas mal de trucs. Mais le triple reset n'est pas passé. Au pire, j'essaierai de faire une vidéo dédiée à ça pour que je m'entraîne dessus et que je fasse vraiment des trucs plus cool. Je risque de faire d'autres vidéos comme ça. Si vous avez des mécaniques que vous voulez que je traîne qui sont un peu plus freestyle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Évidemment, j'afficherai le commentaire si je fais une vidéo dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner et mettre un j'aime sur la vidéo. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.